Je bidouillais, j'avais plein de trucs sur mon bureau. Comme je fumais du tabac roulé, j'ai mis deux papiers ensemble, j'ai collé, j'ai froissé. Et j'ai vu qu'il y avait des traits qui apparaissaient, qui étaient formés par la lumière. Et il faut dire qu'à cette époque-là, il y a le pop art, il y a ce quotidien. Et en même temps, je m'abreuvais, je me nourrissais de poésie soufie, où on parle de grand abandon, à quelque chose qui vous transcende, etc. Donc une espèce d'absence de soi-même à soi-même. Enfin. Et pour le coup, donc, là, les traits étaient formés, non plus par moi, mais par la lumière. Donc j'étais absente. Et là, c'est comme ça que ça a commencé. Au tout départ, moi, ce qui m'intéressait, c'est de travailler avec le format carré, la brique, hein, la brique, voilà. Et dans cette contrainte, je me suis un petit peu comparée à un architecte, voilà, qui a une brique, et les architectures sont multiples, infinies. Et moi, mon challenge, c'était qu'est-ce que je pouvais faire avec ça. Ensuite, c'était des formes assez géométriques, et je restais assez près de la surface. Petit à petit, j'ai essayé de capter dans la manière dont je froissais le papier et que je captais de l'air à l'intérieur. Donc ça prenait de plus en plus de volume. Et je voulais vraiment aller dans l'espace en jouant vraiment sur le vide et le plein. C'est au fur et à mesure que je le travaille, j'ai découvert toutes ses qualités. Et en premier lieu, c'est un matériau complètement insignifiant, qui passe inaperçu. C'est un matériau qui est absent, qu'on ne remarque pas. Et moi, j'aime ce côté insignifiant, parce que c'est essayer de lui trouver du sens. Parce que moi, je pense que c'est un matériau complètement métaphorique de plein de choses. Et c'est aussi, nous. Il me ressemble comme un maître. Il ressemble à tout un chacun. C'est un matériau mortel qui n'est pas sage. Et chacun de nous, enfin, ces questions, moi je pense, c'est pas des questions qui me concernent moi, je pense que c'est des questions universelles. Alors il est un maître, mais un maître rigoureux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tricher avec lui, on ne peut pas tricher. Quand on voit un tableau ou n'importe quelle œuvre, on me dit toujours « Ah, quelle patience !» Parce qu'on a le sens que ça demandait du temps. Donc ça, le temps sur la durée. Et en même temps, quand on observe une œuvre, c'est le côté éphémère qui apparaît. Donc c'est le temps qui est dans son aspect paradoxal, où il s'est duré infini, mais c'est aussi ce présent qui est toujours en fuite. Voilà, et qui est cet éphémère-là, voilà, et qui revient comme une vague continue. Et j'aime bien ce concept. Et oui, je travaille le temps, oui, oui. Je dis toujours que mes ingrédients, c'est le papier à cigarette et le temps. Et ce, voilà, le temps comme l'ombre du papier à cigarette. Voilà. Il est tellement doux, il n'y a pas d'épines là-dedans. C'est pas un papier qui écorche. Le résultat, il ne peut pas écorcher non plus, il ne peut qu'apaiser. On peut trouver l'apaisement. Pour moi, c'est des écrans blancs. Les gens projettent ce qu'ils veulent projeter, que ce soit sur un mur ou dans un espace. C'est pour eux, pour que ça commence à se... Eux-mêmes délient leur imaginaire. C'est ça mon souci premier. Parfois, les gens, ça m'est arrivé qu'ils étaient émus, mais qu'ils pleuraient. Et ça, ça les fait revenir à leur propre vulnérabilité. Et la vulnérabilité de chacun,
Voilà, si on peut toucher ça, moi ça me convient. On ne triche pas justement quand on est seul à seul avec soi-même.